Férial est une conteuse. Ses récits se relatent en images. Peintre, graphiste, photographe, elle raconte ceux dont elle cherche à croiser la route. Des personnalités, des enfants dans des camps de migrants, des animaux dans leur élément. Que le sujet soit en rapport avec la nature ou finalement avec les hommes, et dans des conditions parfois difficiles, j'aime toujours apporter de la magie, de la poésie. Et finalement, la matière picturale, pour moi, apporte ça aussi. Parce qu'on ne sait pas si c'est réel ou pas. L'irréel, c'est le pastel sur le pelage. Mais la rencontre avec l'ours polaire a bien eu lieu il y a quelques mois sur l'archipel du Svalbard, à l'orée du pôle Nord. Ces clichés retravaillés ou redessinés racontent une réalité climatique, sociale ou musicale. Installée à Vence, Férial signe les clichés des artistes qui défilent au Festival des Nuits du Sud. Les photos officielles de Patti Smith en France, c'est encore elle. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Férial garde toujours le même objectif, peu importe qui se retrouve dans son cadre. Chez un EDF, chez Patti Smith ou un ours, c'est quel est cet instant? Voilà, quel est cet instant? Il faut à ce moment-là que je capte quelque chose qui n'est pas forcément visible. C'est mon but. Devant elle, à quelques mètres seulement, un groupe de cervidés en semi-liberté. Lorsque Férial est en manque de grand blanc, elle vient ici, à Torrent, à la réserve des Monts d'Azur, combler sa quête de sens. Ce qu'il y a sous nos pas, tout ce qu'on entend là, les craquements du bois, il y a tous les parfums. Bon, on va essayer de les voir, ces bisons. Elle met parfois un genou à terre, comme son personnage, pour mieux le rencontrer. C'est plus lui qui nous observe. Les cerfs ne sont pas moins curieux. Férial se glissera dans leurs pas jusqu'à son prochain voyage au pôle Nord. En avril, elle y retourne, voir si l'ours polaire a fait des petits.